d'être si nombreuses et nombreuses ce soir. En préambule de cette conférence, j'annonce pour celles et ceux qui étaient à la visite de ce matin, je l'avais déjà annoncé, mais il y a quelques éléments que je vais répéter. Bon, ça ne fait jamais de mal, hein, un petit peu de répétition, c'est aussi ça l'enseignement et la pratique. Alors voilà, des déminages à l'architecture féministe, une ville régénérée. C'est ma conférence de ce soir. Donc moi, je m'appelle Apolline Vanken, je suis architecte bruxelloise et féministe. Et j'ai travaillé pendant un an sur mon travail de fin d'études sur les déminages, et qui avait pour titre, ça va être un peu long, je vous préviens, des déminages à l'architecture féministe, comment interroger et subvertir les rapports de genre matérialisés dans la ville. Donc pendant un an, j'ai travaillé sur ces questions. Et j'ai découvert un mode de vie et d'habiter complètement extraordinaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors peut-être que vous êtes déjà passé par le grand déminage de Bruxelles sans le savoir. Ici, on a une ancienne gravure du XVIIIe siècle qui représente le déminage à l'époque vraiment de son essor, on va dire. C'est un quartier aujourd'hui situé derrière la place de Brouckère et derrière aussi à la place Sainte-Catherine, qui a vraiment qui gagne à être connu. Et je vais vous expliquer. Premièrement, les Béguines sont, dans l'histoire européenne, les premières propriétaires terriennes. Jusqu'en 1972, le code napoléonien interdit aux femmes l'accès à la propriété sans l'accord de leur père ou de leur mari. Donc déjà, ça nous donne la puce à l'oreille, elles sont assez révolutionnaires. Voilà. Elles vont, du coup, créer vraiment un mode de vie et d'habiter vraiment unique. Premièrement, leur mode de vie est basé sur certaines valeurs, hein, altérité, solidarité, éducation. Et elles sont ce qu'on appelle religieuses laïques, c'est-à-dire qu'elles ne font pas vœu de pauvreté, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles peuvent être propriétaires. Et le fait de ne pas faire vœu de pauvreté leur permet également de travailler, en fait, d'être autonomes financièrement et d'assurer vraiment la gestion quotidienne de leur vie. Petit à petit, ces communautés grandissent et ce sont des communautés non mixtes, hein, j'ai oublié de le préciser, mais ça me semble assez évident, qui représentent vraiment en fait, une alternative. Hein. À l'époque, on est au XIIIe siècle, hein, le début du mouvement béguinal, on se situe au XIe et XIIe siècle. Le plus grand béguinage de Bruxelles, il voit le jour au XIIIe siècle et vraiment, c'est la première fois dans l'histoire qu'on lit une démarcation nette entre un groupe de femmes par rapport à toute expression de domination masculine. Donc même les prêtres ne peuvent pas rentrer dans les déminages. C'est vraiment quelque chose d'incroyable à l'époque. Donc s'engager dans un mouvement, dans une communauté de béguines, ça représente vraiment une alternative pour les femmes à cette époque-là, parce que justement, elles ne doivent plus aller au couvent, elles peuvent quitter le déminage quand elles le veulent, à la différence du couvent. Et elles peuvent aussi... Mais comme j'ai dit, travailler, acheter une maison, construire des hôpitaux aussi, elles vont construire des moulins. Vraiment, il faut bien s'en rendre que c'était gigantesque. Je vais peut-être revenir à ma série précédente. Mais donc là, on va carrément jusqu'au canal avec des potagers énormes. Enfin, c'est gigantesque. On compte plusieurs milliers de béguines au moment où le mouvement a le plus de succès. Et donc, grâce au béguinage, je me suis posé la question de comment est-ce que je pourrais créer une boîte à outils pour construire une architecture égalitaire, puisque visiblement, les béguines, elles y avaient déjà pensé. Je vais revenir un peu sur les béguines. Quand vous avez vu la carte, en fait, il faut vraiment dire que ce sont des villes dans la ville. C'est un mouvement qui est fondamentalement urbain. Les béguines, elles ont besoin de la ville parce qu'elles doivent travailler, etc. Mais c'est aussi parce que c'est un mouvement urbain, un des premiers moments en fait, historiques où des communautés vont se poser la question des règles urbanistiques. Et donc les béguines vont édicter les premières règles urbanistiques avec une certaine homogénéité dans le bâti, vraiment un souci d'avoir un lieu à taille humaine qui répond à tous les besoins de la communauté. Et c'est d'ailleurs ce modèle-là qui va inspirer plus tard les urbanistes et les architectes, les concepteurs et les conceptrices des premières cités modèles, des premières cités jardins du XXe siècle. Et après la Révolution française, les hôpitaux civils, donc l'ancêtre des CPAS, saisit les béguinages. Hein, certaines béguines arrivent à passer entre les mailles du filet. Mais en fait, jusqu'aujourd'hui, le grand béguinage de Bruxelles, en tout cas ce qui correspond à,
à son implantation de l'époque, est encore une propriété des CPRS. Donc c'est vraiment une des rares fois dans l'histoire urbaine où on peut lire une continuité sociale dans le tissu urbain. C'est vraiment unique. Du coup, je reviens à mon gender toolkit. Et là, on voit une petite béguine qui est en train de smart the patriarchy. Bref. Les béguines, donc, je vous l'ai dit, elles mettent en place des outils. C'est elles qui vont inventer aussi. Elles ont inventé plein de choses, hein, entre autres les premières formes de colocation, les premières formes d'assemblée générale. Elles sont vraiment aussi inspirées par les modèles des corporations. Donc, c'est un mouvement très très riche, tant au niveau urbanistique, architectural, que sociologique, politique, religieux, etc. Et donc, au-delà du triste constat de l'invisibilité des femmes dans l'espace public, car oui, c'est une réalité, moi je me suis posé la question, ben, moi je suis persuadée qu'il existe des solutions. S'il y a 1000 ans, des légumes avaient déjà trouvé une manière de passer entre les mailles du filet, il doit exister quelque chose aujourd'hui pour nous, architectes, concepteurs, politiciens, politiciennes, enfin vraiment il existe des outils. Et donc on arrive à la première vague féministe. Pendant la première vague féministe, on voit vraiment les premières réflexions sur l'espace domestique qui émergent, et qui en tout cas vont être théorisées, mises sur papier, etc. J'ai pris parti ici dans ma présentation de vous faire ce que j'appelle un panorama féministe. Ça consiste en quoi ? C'est un peu un focus architectural. Je ferai souvent des digressions par rapport à d'autres exemples, peut-être plus urbains, peut-être plus macro. Mais là, voilà, c'est une manière de vous montrer que dans notre habitat, vraiment matérialisé dans la brique, il existe des solutions. Et la première, c'est Paulette Beurneige, qui a écrit le livre « Si les femmes faisaient les maisons » en 1928. Alors à l'époque, on est encore dans une division très binaire hein, de l'espace. D'un côté, on a l'espace domestique assigné aux femmes, avec toute la charge qui s'ensuit. Bon, cette lecture spatiale est toujours d'actualité, malheureusement. Et puis de l'autre côté, on a l'espace public, politique, du travail rémunéré, valorisé socialement, assigné évidemment aux hommes. Donc Paulette Beurneige, elle se dit « Moi, dans mon expérience de femme, qu'est-ce que je peux faire dans ma maison pour diminuer les distances, rendre vraiment mes tâches plus faciles au quotidien, etc. » Elle va faire des plans, des dessins, vraiment un travail de vraie technicienne. Et on se retrouve après, en 1926 entre 1926 et 1929, c'est la construction d'un édifice vraiment emblématique, signé Aileen Gray, qui est une très très grande architecte, la villa E1027. Alors la villa E1027, bon, cette image, on ne se rend peut-être pas compte, mais Aileen Gray s'est vraiment posé la question de comment est-ce qu'elle pouvait aussi améliorer le quotidien des occupants de sa maison en intégrant par exemple tout le mobilier. Quoi. C'est vraiment une œuvre d'art totale. Elle va penser au déplacement des personnes. Tout est très ouvert, c'est le début du modernisme et vraiment c'est révolutionnaire à tel point que Le Corbusier, pour celles et ceux qui le connaissent, va carrément faire un acte de vandalisme dans cette villa où il peint sur les murs de la maison des Anglais sans son accord. Donc c'est très très emblématique aussi des luttes spatiales de cette période. On enchaîne aussi avec une œuvre d'art, une œuvre aussi très emblématique en architecture, la maison Schroeder de Gerrit Riedlet en 1924, qui là, c'est un architecte homme, mais c'est une commanditaire femme. Et c'est assez rare que pour le souligner, car à l'époque, il est très très compliqué, et d'ailleurs c'est toujours le cas aujourd'hui, d'être une femme, de commander un projet auprès d'un architecte fameux, donc vraiment c'est unique. Et Madame Schroeder est une veuve qui fait le choix, et qui va vraiment, en ce sens, influencer tout le dessin de la maison. Elle fait le choix de créer un espace vraiment ouvert, avec des parois amovibles, avec plein de connexions visuelles, etc. On y reviendra après parce que c'est une thématique qui revient dans d'autres projets. Les connexions visuelles, c'était déjà le cas dans les bébinages. On retrouve souvent l'ensemble des habitations autour d'une grande cour. Ça permet à la fois un contact social, hein, chacun rentre sur le pas de sa maison, mais il y en a un lieu communautaire, une espèce d'espace rencontre. Et qui plus est, ça permet quoi ? Ça permet que quand on est en train de travailler ou de lire un livre et que nos enfants ou nos amis sont dans la salle à côté, eh bien, on n'est pas obligé d'arrêter tout ce qu'on fait dans la minute. On peut continuer à vivre notre vie dans la joie et la bonne humeur. Et donc, nous arrivons à la femme au salon des artistes décorateurs, qui n'est autre que Charlotte Perriand.
Charlotte Perriand qui, en 1928, va révolutionner l'architecture avec la première cuisine ouverte sur le salon. C'est vraiment un élément hyper, hyper important. Je reviens aussi à Le Corbusier, j'aime bien insister sur le fait qu'il est très, très, très sexiste. Parce que quand Charlotte Perriand s'est présentée dans son bureau en tant que designeuse, il lui a dit « Mais vous savez, madame, ici, on ne fait pas de broderie. » Alors que Charlotte Perriand est une des plus grandes designeuses de ce siècle. Et Charlotte Perriand donc signe la première cuisine ouverte qui va révolutionner la vie domestique parce que c'est vraiment une manière de conceptualiser l'espace qui va valoriser en fait toutes les activités qui de base étaient cachées. Aujourd'hui on voit encore tout ce qui est buanderie, c'est dans les caves. Conseil si vous voulez faire un habitat féministe, mettez pas vos buanderies dans les caves et ouvrez vos cuisines encore que c'est à débattre. Puisque dans certaines cultures, le lieu de la cuisine est un lieu non mixité, on va parler de joviales intimes, c'est vraiment des espaces de solidarité féminine, donc parfois il faut aussi poser la question aux futures occupantes de « qu'est-ce que vous voulez faire ?». Ça, c'est général, il faut toujours poser la question de toute façon. Et donc, après toutes ces révolutions, on arrive à la deuxième vague féministe. La deuxième vague féministe, évidemment, elle est cruciale parce que quand les féministes revendiquent leurs droits économiques souverains, leurs droits à l'éducation, etc., mais aussi leurs droits privés, enfin les questions de l'intime, qu'elles plantent l'intime dans l'espace public, en fait, ça va permettre aux géographes, aux sociologues du genre de sortir l'espace de sa prétendue neutralité genrée. Je m'explique. Aujourd'hui, les théoriciens et les théoriciennes expliquent que s'il existe encore des territoires de genre, c'est parce que le mouvement des femmes vers l'espace public ne s'est pas accompagné d'un mouvement symétrique des hommes vers l'espace privé, et c'est pour ça qu'il existe encore aujourd'hui des divisions de genre dans l'espace. Et donc, on arrive à un exemple assez emblématique, puisque après cette deuxième vague féministe, on voit vraiment que cette idée de la question du genre percole dans d'autres secteurs, et notamment, je l'ai dit, celui du design. Là, à gauche, on a une petite image tirée d'une EFR, qui est l'encyclopédie des architectes, hein, globalement. Et donc, en 1945, les seules femmes qui sont représentées dans ce grand livre qui dimensionne en gros les tailles moyennes de tous les objets, meubles, tout ce que vous pourriez trouver dans une maison, les femmes sont en soubrette dans la cuisine, et oui, mes amis. Sauf que nous avons Henri Dreyfus qui, 10 ans après, révolutionne le secteur en proposant deux personnages, Joséphine et Joe, et qui propose de dimensionner la ville et la vie à taille humaine, en fait, et inclusive, avec un gabarit femme et un gabarit enfant. J'en arrive au prochain projet. Ce sont des projets évidemment plus tardifs, hein. Il y a d'autres projets féministes entre-temps, mais ceux-là sont vraiment emblématiques, et notamment le bureau Matrix Feminist Design Coopérative. À ma connaissance, le seul bureau d'architecture qui intègre le mot féministe dans son appellation, ce que je trouve magnifique, et qui a créé ici le Jagannari Women's Club. C'est un lieu pour les femmes bengali à Londres, et elles ont vraiment créé un projet participatif où elles vont solliciter ces femmes par rapport à leurs besoins, etc. Et elles matérialisent aussi ça dans la brique en créant une sorte d'architecture hybride. Donc elles vont reprendre la brique typique de la city londonienne et en même temps elles vont utiliser des claustras, des mosaïques typiques des communautés bengali. Et on arrive à ma chouchoute numéro 1. Qui est Suzanne Adoré. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Suzanne Adoré, malheureusement, elle n'est pas encore assez connue en Belgique, et d'ailleurs, mais parler de Suzanne Adoré autour de nous, c'est une génie, vraiment. Ici, c'est un de ses rares projets réalisés, la Fire Station 5 en 1984 et 87. C'est intéressant parce que là, on sort de l'espace de la maison et on va dans l'espace du travail, où il y a aussi moyen de révolutionner tout ça. Et donc, ce qu'elle propose à cette équipe de pompiers et de pompières, c'est en fait de translater l'espace qui, de base, était le lieu de socialisation, qui était le dortoir commun, et qui donc excluait les femmes, malheureusement. Elle propose de mettre en place des dortoirs privés et de translater ce lieu de socialisation dans la cuisine, mais aussi dans la salle de sport, en créant de nouveau des connexions visuelles sur l'espace de travail avec les camions, etc.
Et Susanna Torre, c'est une très très grande dame parce que c'est notamment elle qui va. Pardon, sinon j'avais été spoilée. c'est elle qui va mettre sur pied la première exposition qui parle d'architecture et de femmes. Women in American Architecture en 1977 au Brooklyn Museum. C'est vraiment une exposition qui a changé le cours de l'histoire de l'architecture réellement. Parce que c'est la première fois qu'on a une vitrine pour les femmes architectes et Susanna Torre va vraiment lutter pendant des décennies pour, d'une part, visibiliser les femmes architectes dans tout ce qu'elles peuvent amener dans la conception de la ville, mais aussi dans ce que le féminisme et les féminismes peuvent amener dans la conception de la ville. Elle va identifier 7 apports majeurs, et dont un que j'affectionne particulièrement, qui est la question de la commémoration des grandes figures historiques. Les féminismes permettent aujourd'hui de ne plus seulement commémorer de vieux hommes blancs, mais aussi d'autres personnes, autres que des princesses et des saintes, qui ont fait des choses merveilleuses. Voilà. Donc, Susanna Torre, par raison, autour de vous, vraiment, elle est chère. Voilà. Alors, troisième vague, que j'identifie moi-même, alors que je n'en sais rien. Je ne peux pas croire que j'ai toujours à me battre contre cette merde. Vous l'avez identifié, c'est le patriarcat, excusez-moi, pour mes mots déplacés. Mais voilà, nous en sommes là, 2021, toujours à nous battre pour nos droits. Et c'est important de le rappeler et de s'en rendre compte aussi qu'il y a encore des architectes qui doivent poser la question du féminisme et du genre en architecture, car l'égalité n'est malheureusement pas encore acquise. Alors je dis toujours, hein, moi je me bats pour que cette conférence n'existe plus. Voilà. Mais dans un premier temps, cette conférence doit exister. On a par exemple Lieve Wijtumers, qui est une architecte hollandaise. Elle crée ici les Solo House en 2004, donc ça n'a pas été construit. Elle va vraiment essayer de repenser l'habitat en dehors du carcan de la maison unifamiliale pour un couple hétérosexuel. Par le principe, en fait, c'est une vision complètement old school et qu'il y a vraiment d'autres formats familiaux qui existent, qu'on peut aussi vivre seul. Que selon les âges de la vie, tout ceci évolue et que donc on doit mettre en place des maisons vraiment évolutives. Autre exemple emblématique hein, que vous connaissez peut-être sûrement, ce sont les Baba Yaga, parce qu'on a beaucoup entendu parler d'elles. Alors les Baba Yaga dans les contes russes, ce sont des ogresses et des sorcières. Je trouve ça chouette que ce soit réapproprié ce terme. Et elles ont justement concrétisé leur projet à Montreuil, où elles proposent vraiment elle se pose la question de comment vivre vieux et vivre mieux. C'est intéressant aussi parce que la loupe féministe, en fait, elle ne permet pas seulement de se poser la question binaire homme-femme, c'est aussi, en fait, d'intégrer dans la ville et dans l'architecture toutes les personnes exclues, que ce soit les enfants, les personnes âgées, les personnes non-valides, les personnes racisées, les personnes LGBTQIA+, enfin, vraiment, les gender studies, c'est juste magnifique, voilà. Et donc, le Baba Yaga amène une très belle réponse à cette question de comment vivre vieux et vivre mieux. Et donc, après toutes ces initiatives qui sont malheureusement à chaque fois assez isolées et ponctuelles, on a à Vienne un exemple de réflexion, là, vraiment politique et macro, avec la création du comité Urban Development de Vienne, qui est vraiment un comité d'urbanistes, d'architectes, de sociologues, de géographes qui va vraiment rédiger des manuels à destination des politiques et des concepteurs et des conceptrices, qui va matérialiser dans la brique. Elles ont construit des Frauenwerkstatt, enfin, des communautés de femmes, des maisons pour femmes. Enfin, il y a vraiment une vraie réflexion tant sur l'habité que sur l'espace public. Et donc là, on voit de nouveau différentes typologies selon les différentes composition familiale. Je crois que j'ai une petite faute de frappe en allégeant, je suis désolée. Et aujourd'hui, nous avons la chance de compter en Belgique, déjà avec ma plateforme, je suis un peu trop en même temps, donc l'architecture qui dégenre, mais aussi la superbe ASDL Angela D, le logement par les femmes, pour les femmes. Alors cette ASDL a vu le jour en 2018, et là, elle est investie dans un projet qui s'appelle Calico. Calico, ça veut dire, en fait, c'est une abréviation pour Care Living Community. Donc, c'est un habitat vraiment qui va intégrer une maison de naissance, une maison de mourance, des habitats en mixité, des habitats intergénérationnels,
C'est vraiment en fait toute cette dimension-là qui est intégrée dans le logement. C'est un projet en collaboration avec le Community Nature of Brussels. Donc il y a aussi tout un questionnement sur le prix de la propriété. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que des projets comme ça publics restent dans le parc immobilier public. Et je trouve ça aussi intéressant parce que c'est une manière de faire le parallèle avec la question de la propriété. Aujourd'hui, les femmes, malheureusement, n'ont pas autant de facilité, ont plus de difficultés, je vais plutôt le formuler comme ça, que les hommes à devenir propriétaires. Alors que la propriété reste encore la meilleure arme contre la pauvreté aujourd'hui. On peut citer entre autres, par exemple, le fait que certains bailleurs et bailleuses discriminent les femmes, et plus particulièrement les familles monoparentales, parce que crainte que les loyers ne soient pas payés à temps, crainte d'une détérioration du bien, donc il y a vraiment encore des préjugés tenaces, malheureusement, et donc il faut aussi travailler à se questionner sur comment, quels sont les leviers pour que les femmes accèdent à la propriété. Et quand je vous ai parlé des minages, je vous ai fait mon panorama féministe. Je boucle un petit peu ces exemples concrets dans la brique avec ce que j'appelle les néo-délinages. Ici, on a les néo-délinages de Dortmund. En fait, aujourd'hui, il y a des nouveaux délinages qui ont vu le jour avec cette appellation. Vraiment, ces communautés de femmes ont repris l'appellation des béguines, à la fois parce que, en termes urbanistiques, c'est vraiment une source d'inspiration. On retrouve le principe de la coursive, le principe du patio central. Le principe de lieu communautaire partagé, la communautarisation de vraiment certains lieux, que ce soit lié aux tâches domestiques, mais aussi aux espaces de socialisation, etc. Et ces nouveaux béguinages, ce que j'aime rappeler aussi, c'est que si ces communautés choisissent l'appellation béguinage, c'est parce que c'est un socle historique et symbolique sur lequel s'appuyer qui est très important. Les béguinages ont traversé presque 1000 ans d'histoire. Les questions féministes et d'habitat, elles ne datent pas des années 20. Bien au contraire, elle date du XIIe siècle. Et ça, c'est important de se le rappeler aussi. Quoi. C'est vraiment, c'est vraiment sur la durée que les femmes ont travaillé sur ces questions. Et donc, tout ça m'amène à mon propos, qui est de dire que repenser l'architecture de façon égalitaire, c'est offrir une ville régénérée. Alors, régénérer, ça vient de genus generis, donc le genre, la famille, hein, c'est tout ça à la même racine. Et aujourd'hui, vraiment, repenser la ville par le genre, c'est repenser une ville nouvelle, c'est repenser une ville inclusive, égalitaire, c'est vraiment prendre le pas de l'égalité effective. Alors, parmi tous ces outils, j'aime bien aussi rappeler qu'il faut distinguer les enjeux stratégiques des enjeux pratiques. Alors, je vous explique ce que c'est. Alors, je vais prendre l'exemple de la crèche. Aujourd'hui, on le sait, ce sont majoritairement les femmes qui s'occupent des tâches liées à l'éducation des enfants. Et donc, quand on parle d'infrastructures telles que les crèches, ce sont encore majoritairement des femmes qui sont en demande de ce type d'infrastructure. Pratiquement, il faut répondre à cette demande. C'est vraiment un besoin auquel les politiques doivent répondre, mais stratégiquement, il faut se poser la question de pourquoi est-ce que ce sont encore majoritairement les femmes qui s'occupent de ce type de tâches. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de demandes d'infrastructures de la part de toute personne ayant des enfants ou n'en ayant pas d'ailleurs? Et donc voilà, enjeu stratégique, enjeu pratique. Il faut aussi retenir que pour moi, on ne peut pas construire une ville régénérée sans l'un ou sans l'autre. Ne prendre compte que de l'enjeu pratique, en fait, ça veut dire que c'est comme l'égalité salariale, on peut attendre plus ou moins 257 ans. Si on ne prend que les enjeux stratégiques, ça veut dire qu'on risque de perdre certaines usagères et certains usagers dans ce changement de paradigme. Alors un peu en synthèse de cette architecture régénérée, je vais vous faire un petit récapitulatif des éléments propres à ce que j'appelle l'architecture féministe. On a dit la reconception des espaces domestiques, le développement de nouveaux types de bâtiments comme lieu de travail ou lieu de vie, la façon d'honorer la mémoire collective en ne commémorant plus exclusivement les hommes blancs, la révision de nos comportements vis-à-vis de la nature et sa préservation avec une architecture durable et écologique, la prise en compte des identités des femmes et des féminismes comme modèle de représentation et de conception. J'en ai encore 5, donc soyez un petit peu patient, mais c'est important de les dire parce que c'est pas que la cuisine ouverte, quoi. C'est vraiment plein d'autres choses qui s'imbriquent.
la prise en compte des préconisations des femmes, la mise à l'agenda de la problématique des seniors dans la ville, le développement d'outils de représentation d'urbanisme et d'architecture accessibles aux non-initiés. Donc, ça va être des ateliers de maquettes, de dessins, etc. pour qu'on puisse tous et toutes s'approprier notre logement, le dessin de logement, les plans, comme on va faire potentiellement avec des architectes. Plus généralement, ben, la revalorisation du care, du soin, des tâches domestiques. Et puis l'analyse de la question de la mobilité par le biais du genre. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais aujourd'hui, des études démontrent aussi que, par exemple, l'usage du vélo, malheureusement, est genré. Je vous le dis tout de suite, si vous avez 3 enfants, vous devez passer à la crèche ou au solfège et puis faire les courses. En vélo cargo, c'est possible, mais il faut des aménagements et tout ça n'est pas donné à tout le monde. Voilà. Alors, ben, hors les murs du genre, c'est ce que je disais, au-delà de l'architecture, là je vais vous citer deux exemples qui ont été marqueurs. Le premier, c'est la question des cours de récréation. Ici, on a une cour de récréation, c'est un jeune garçon du collège Vaillant qui a représenté donc F pour fille, G pour garçon, pardon. Et Edith Parmijoux, c'est une géographe du genre qui a fait plusieurs études dans les cours de récréation où elle démontre qu'en fait, dans la majorité des cas, plus de 80% de l'espace récréatif est dédié au terrain de foot. Et malheureusement, comme vous pouvez le voir, bah, du coup, l'espace récréatif est dédié 80% du temps aux garçons. Et ce n'est pas seulement dans la façon dont l'espace est réparti, c'est aussi dans la façon dont on utilise l'espace. On va observer que, par exemple, dans les déplacements des jeunes filles, elles vont éviter le terrain de foot parce qu'elles ne se sentent pas légitimes. Il y a déjà des stratégies d'évitement, alors que les garçons vont le traverser parce que vraiment, droit de cité. Quoi. C'est intéressant aussi de se dire que donc, les écoles, les cours de récréation, hein, qui sont aussi d'une certaine manière prétendument neutres, ne le sont pas du tout. Hein. Dès le plus jeune âge, 7-8 ans, les rapports de genre matérialisés dans l'espace se manifestent. Autre enjeu emblématique, ici, ce sont des chiffres français publiés par la base. 75% des budgets publics destinés aux loisirs des jeunes profitent aux garçons et 95% des équipements sportifs occupés par des jeunes hommes. Je crois que je n'ai rien à ajouter, à part que je pense qu'il y a vraiment moyen de repenser les espaces de loisirs. Alors aujourd'hui, pour moi, ce que les féminismes permettent dans cette question de l'architecture, c'est peut-être de développer chez les femmes et chez les usagères un sentiment de légitimité, de confiance en soi, et du coup vraiment ce qu'on appelle l'empowerment, le pouvoir de, le pouvoir d'agir, le pouvoir d'action. Si je vais passer à la slide suivante. Vous connaissez peut-être la notion de gender trouble. Moi j'ai envie qu'on ait un space trouble, donc trouble dans l'espace. Et c'est d'ailleurs Guy Digno, qui est aussi un géographe du genre, qui, lors d'une étude, expliquait qu'aujourd'hui, un des apports les plus importants des féminismes, c'était vraiment en fait d'effacer cette frontière entre public et privé. Que les femmes qui avaient vraiment ce sentiment de droit de cité, ben, cette frontière entre l'intime et le public s'effaçait de plus en plus, et que du coup, on va dire, les limites de leur territoire étaient beaucoup plus vastes que les simples 4 murs de leur maison. Quoi. Il y avait vraiment le sentiment de pouvoir se déplacer, pouvoir déambuler, pouvoir flâner dans les rues, tout ça, on n'en a pas parlé non plus, mais c'est aussi des comportements dont les hommes ont le privilège. En général, les femmes traversent un lieu, elles ne s'y arrêtent pas. Et tout ça, vraiment, les féminismes l'apportent. Je vous sens de... le dislike sur le space travel, voilà. J'ai envie de voir ça bientôt dans l'espace. Je vais donc vous lire ma petite conclusion, parce que sinon je vais trébucher sur mes mots, elle est vraiment importante. J'ai même 2 conclusions. Donc c'est peut-être par le sentiment de légitimité et de confiance en soi que les féminismes tentent de développer et de nourrir chez les femmes que s'opère le plus grand changement spatial qui soit. Celui où les territoires de genre, dus à l'absence d'investissement de l'espace privé par les hommes, sont redessinés par les femmes, troublant et effaçant ainsi les frontières entre public et privé, urbanisme et architecture. L'architecture ne pourra jamais se substituer à une égalité de fond, mais penser le genre dans l'habitat peut hisser la pratique architecturale et urbanistique vers l'égalitaire. Et évidemment, il ne faut pas oublier la clé du changement, qui était d'ailleurs une des clés de des déminages, l'éducation. Voilà, merci beaucoup. Du coup, je ne sais pas s'il y a des questions ou si on fait des questions-réponses maintenant.
Je m'appelle Elisabeth Franquet et j'ai participé à la Ronde pendant de nombreuses années comme bénévole. Dans les années 70, vous avez cité, à l'intérieur du GRIF, qui était le groupe de recherche et d'information féministe, on a créé un groupe sur la ville et on a publié un numéro de cette revue qui était consacré aux femmes dans les villes. Et on l'avait appelé hors de, entre parenthèses, chez nous. Hors de nous, hors de chez nous. Ce numéro, on l'a offert à l'APO pour l'école urbaine. Nous nous sommes fait beaucoup ignorer, un peu gausser. Et lors de notre voyage qui était avec l'APO à Bologne, on a eu droit à un monsieur qui a remplacé les chevineurs de l'urbanisme en disant que, après une remarque en demandant si les conseils du quartier étaient constitués moitié-moitié dans les femmes, puisqu'on parlait de l'égalité des amateurs de pigeons, des footballeurs, enfin, bref, tout ça. Et là, le monsieur a rigolé en disant, mais moi je suis tout à fait proche des femmes, j'ai une femme et quatre filles. Voilà. Merci. Je pense que c'est à Pauline de répondre à ça éventuellement, mais peut-être c'est à... Je ne sais pas si vous avez d'autres questions par rapport à Alexandre. Bonsoir, merci beaucoup pour par rapport au néo-béguinage, c'est quelle proportion sont des endroits qui nous viennent? Alors, en Belgique, il y en a 4, et et en Allemagne, il y en a plus d'une dizaine. C'est vraiment un mouvement qui est en train de prendre son essor. Quoi. Merci. Merci à vous. Vous avez tous entendu ma réponse? Vous avez tout entendu parce que... Ah oui, sinon je peux prendre ça. J'aimerais vous poser une question un peu prospective. Je sais que vous êtes chargé d'un projet au sein de la ville de Lyon, qui lutte contre le sans-abri. Mais juste après, j'ai le sentiment qu'elle s'occupait un peu moins des hommes. Voilà, et je suis très, très, très intéressée à vous entendre me répondre comment vous pouvez arriver à changer cette vie. Alors, sur la question du sans-abrisme, donc je resitue, je ne suis plus chargée de projet pour ce projet-là, mais je l'étais jusqu'en mai. Confinement oblige, enfin, pas du tout, juste planning oblige, parce que sinon on va croire que Lilo a éclaté, il va y avoir des larcènes, je ne sais pas comment éviter ça. Donc, Lilo, c'est une SBL qui lutte contre le sans-abrisme, et dans laquelle j'ai été chargée de projet pendant 2 ans. La question du féminisme et la question du sans-abrisme féminin, elle est vraiment très difficile à amener. Là, nous, justement, pour les journées de matrimoine, on est en partenariat avec Lilo parce qu'on a envie de faire monter ces questions de sans-abrisme féminin. Il y a plusieurs choses. Donc, déjà, la directrice générale, Ariane Dérix, a vraiment tout un engagement féministe derrière et actuel sur son CV et même dans l'être qu'elle est. Et je crois que c'est aussi pour ça que je fais partie de l'équipe, qu'elle a témoigné sa confiance par rapport aux journées du matrimoine, qu'on amène petit à petit ces questions d'accès à la propriété. Mais c'est vrai qu'auprès des équipes de travailleurs et de travailleurs sociaux, de travailleurs et de travailleuses pardon, sociaux, c'est compliqué parce que je suis vraiment désolée, un bruit parasite. C'est compliqué parce que ils et elles sont témoins majoritairement de... Enfin, les plus visibles sont les hommes, en fait, hein, déjà dans l'espace public, mais aussi dans nos services, parce qu'en général, en fait, les femmes sans-abri vont utiliser des réseaux parallèles, hein, des réseaux de solidarité parallèles, que ce soit la famille, vraiment, elles vont pousser jusqu'au bout
les alternatives à la rue, parce qu'elles s'exposent à une violence énorme. Mais on travaille maintenant depuis 2 ans avec un groupe au sein de l'ILO qui s'appelle Droits des femmes, où vraiment on veut former les travailleurs et les travailleuses à cette problématique. Mais voilà, ça se fait lentement, mais sûrement. Et je sais qu'on nourrit plusieurs espoirs quant à la naissance de maisons d'accueil aussi pour femmes victimes de violences conjugales, parce que là, le confinement, même si c'est une réalité qu'on connaît toute l'année, hein, pandémie ou non, vous l'avez peut-être lu, les chiffres des violences conjugales ont explosé pendant le confinement, et on s'est vraiment retrouvé face à une situation très problématique qui est que déjà il y a des listes d'attente énormes pour les maisons d'accueil qui accueillent ce type de profil. Et qui plus est, en fait, si vous êtes exposé par exemple à une violence patriarcale dans la rue, mais qui n'est pas conjugale, mais qui n'est pas avec votre conjoint, vous n'êtes pas éligible. En fait, vous ne pouvez pas rentrer dans ce type de maison d'accueil. Et enfin, pour moi, c'est un énorme problème. Je pense que tout type de violence patriarcale devrait mener à l'hébergement d'urgence, et si pas d'urgence, à l'hébergement tout court, en fait. Mais donc voilà, donc on travaille sur ces questions-là. Mais merci de poser la question et n'hésitez pas en tant que donatrice à solliciter nos services aussi pour un peu remuer tout ça. Merci. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour cette présentation que j'ai appréciée. Donc, vous avez référé que les déguinages étaient des villes, des mini-villes dans la ville. Donc, ça existait parce qu'en fait, ces femmes n'avaient pas leur place dans la ville. Et en créant des villes, des mini-villes, elles étaient toujours invisibles. Donc, quand vous nous parlez, des nouvelles formes de béguinage, je dois dire que j'entends ça, je suis un peu effrayée par cette idée. Alors, parce qu'en fait, ce que moi, en tant que femme, je veux, c'est pouvoir utiliser l'espace de la ville au même titre que toutes les autres personnes. J'ai l'impression qu'un béguinage de plusieurs hectares n'est pas invisible, mais peut-être. C'est moi qui suis biaisée, mais je ne pense pas que ce soit invisible, au contraire. C'est une matérialisation spécifique des femmes dans la ville. Quand vous baladez dans la ville, vous savez identifier que ce lieu-là est féminin, qu'il est porté, construit, vécu par des femmes. Je ne connais pas d'autres exemples ici. C'est un lieu de la marge, ce n'est pas un lieu inclus dans la ville. Mais si, c'est inclus dans la ville. Si, c'est dans la ville, ce n'est pas comme les couvents, ça fait partie de la ville, je l'ai dit, c'est urbain. Les béguines ont besoin de la ville, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont juste derrière la place de Beaucaire. Un monde fermé, un monde à elles. Non, justement, c'est en fait puisqu'elles travaillent, elles ont besoin d'habits, donc toute la journée, elles vont chez leurs employeuses, leurs employeurs. Il y a des mouvements entre la ville, c'est pas comme un couvent, on reste enfermé et on est reclus, au contraire, c'est vraiment inscrit dans la ville, dans son fonctionnement. La ville a besoin des béguines parce qu'elles sont médecins, parce qu'elles sont enseignantes, parce qu'elles sont. Qu'elles travaillent les tissus, la dentelle, donc elles sont vraiment visibles quoi, dans la ville. Le potager que vous avez indiqué, il était quand même dans le périmètre du béguinage. Il est entre le béguinage, donc qui est place de Beaucaire, là c'est son centre avec son église, et puis il allait jusqu'au canal de Bruxelles, donc c'est vraiment un territoire énorme. Et cette nouvelle forme de béguinage que vous avez référé, ça fonctionne comment? Ça, c'est aussi dans la ville. Bon, après, c'est pas derrière la place de Beaucaire, parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué de construire un énorme édifice dans des lieux aussi centraux, mais il y a toujours cette dimension urbaine. Et je veux dire, ce sont des femmes qui travaillent, qui ont un emploi, elles sont pas enfermées, quoi, que du contraire. Oui, si j'ose intervenir, d'abord j'habite le béguinage actuel. Ce que je voudrais dire, c'est que les fonctions sociales des béguines ont été continuées par la ville de Bruxelles et par la paroisse. C'est fini maintenant, je dirais, pour les gens que je ne connais pas. Mais par exemple, l'église du Béguinage, qui est une merveille d'architecture à l'intérieur et à l'extérieur, a accueilli pendant des dizaines d'années des sans-papiers, parfois dans des conditions, je dirais, très austères, une église très froide, elle est bâtie dans le marécage, en réalité, le Bruxelles, c'est le marécage. Et donc là, c'est
c'est bien aussi de voir, mais maintenant il y a un problème, c'est l'abandon du grand hospice, du grand bâtiment grand hospice par la ville de Bruxelles. C'est un bâtiment gigantesque dont on ne sait en réalité que faire. Et c'est un peu fou, à la limite. C'est même un peu fou. Moi, si j'étais dans les milieux où j'étais plus jeune, je squatterais ce bâtiment. Je ne pas de chez moi, mais je le squatterais. Parce que vraiment, ce n'est pas normal d'avoir un bâtiment en bon état encore, mais qui est abandonné pour des raisons financières et sécurité sociale, etc. Bon. Pour la peau, l'activité de la peau et le féminisme, ça je ne dis pas que la peau était un mouvement féministe, en continuant toujours les femmes et les femmes fortes au niveau de la peau, je pense à Rosine Desbrives par exemple, à ma voisine, c'est bon, hein, toujours, mais sans compter les directrices successives, mais lors de l'école urbaine, un philosophe travaillant à la peau, Pierre Ancet, est intervenu et il a dit quelque chose à propos de l'espace public. Il a dit ceci, les mots exacts sont « les femmes sont portantes ». Les femmes sont portantes. Alors, ça peut avoir des sens complexes, c'est polysémique, ça peut être la femme, la famille, etc. Mais il y avait autre chose dedans. C'est que dans l'espace public, si vous regardez bien, on voit tout de suite une égalité de genre. Moi je parle de genre parce que ça fait comprendre l'inégalité entre les sexes. Les femmes portent des paquets et à côté d'elles, le lit par les deux mains en poche. Et ça, c'est 90% chaque fois. Vous pouvez regarder, c'est très frappant. Les femmes ont des objets dans le paquet. Elles vivent pour le droit pour le chien. C'est extraordinaire d'observer la chose dans l'occupation de l'espace public. Et l'inégalité, je dirais, dans la vie quotidienne qui se manifeste ainsi. Ben, pour répondre, surenchérir sur vos paroles, effectivement, là, je n'ai pas parlé de la paroisse et je ne me suis pas trop étalée sur le béguinage de Bruxelles. Il y avait une visite guidée cet après-midi pendant laquelle j'ai parlé effectivement du travail de Daniel Alliette, qui était l'ancien. Curé de la paroisse, et effectivement c'est encore une paroisse qui est vraiment à ma connaissance la seule vraiment ouverte sur la ville, où il y a des expositions, des concerts, des manifestations, des expositions mais vraiment politiques, militantes, que ce soit sur la problématique des personnes sans papier, sur la problématique aussi des aides ménagères, etc. Enfin vraiment c'est une paroisse qui est hyper mobilisée. Et c'est encore un quartier qui, justement, rayonne politiquement et socialement, entre autres, grâce à ça. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a deux types de déguinage. D'un côté, des guidages laïques qui sont sur des modèles un peu plus variés, et d'un côté, des déguinages qui reprennent quand même des valeurs catholiques. Ouais. Et voilà, je voulais savoir ce que vous en dites. Ce que j'en pense. Je confirme qu'il y a effectivement, ici par exemple en Belgique, les déguinages qui existent sont mixtes, non mixtes et pour la plupart vraiment religieux. Pour l'Allemagne, là c'est différent, c'est beaucoup plus militant et vraiment laïque à ce moment-là. Moi, ce que j'en pense, c'est que je le racontais à la visite ce matin, lors d'un colloque avec l'Université des femmes, on avait justement abordé la question de cette identité de religieuse laïque des déguinages. Et une des habitantes de la maison des Baba Yaga affirmait en tapant du poing qu'elles étaient laïques et qu'elles ne croyaient pas en Dieu. Et je pense que c'est faux. Je pense aussi qu'après avoir rencontré différentes communautés, ces communautés traversent des doutes. C'est difficile de pérenniser des modèles communautaires solidaires sans un socle de valeurs communes fort. Et force est de constater que la foi elle est toujours très transcendante et que ces communautés sont généralement plus fortes, et je mets 10 000 guillemets, aussi parce qu'elles ont plus de bouteilles derrière elles. Hein, on doit voir sur le long terme, on doit s'aider au béguinage, ils ont 10, 15 ans pour les plus vieux, c'est tout frais. Quand je pense à la poudrière en Anderlecht,
qui a vu le jour dans les années 60. C'est un modèle qui est prouvé, où il y a une dimension aussi clairement catholique, mais qui s'ouvre de plus en plus. Et voilà, je pense que c'est à nous aussi d'inventer des nouveaux socles de valeurs communes autres que Jésus, quoi. Voilà. Mais je pense que ça reste quand même un élément assez fort. Et effectivement, au XIIe siècle, tout le monde croyait en Dieu, c'était même pas une question. Quand on traverse évidemment 1000 ans d'histoire, il faut bien se dire que chaque béguinage a ses propres règles, chaque béguinage a son mode de fonctionnement. Et au fur et à mesure des siècles, les dernières communautés de béguines, la dernière béguine qui est décédée en 2012 à Courtrai, là on était dans, enfin, c'était un couvent, quoi, dans ma définition du couvent, même si elle s'appelait béguine. Il n'y avait plus du tout cette dimension innovatrice, autonome, etc. On va devoir arrêter les questions pour passer au prochain exposé. On va accueillir Roxane. Et on va sans doute